Allez. Chacun s'organise comme il veut. Voilà. Tout ce que nous, ce qu'on demande, c'est que le secteur soit couvert, que tout le monde soit touché. On essaye en tout cas, parce qu'on a peu de temps et on a pris du retard. Mais après, il n'y a pas de règles. Ça c'est fait en deux jours, c'est fait en deux jours. Si c'est étalé sur la semaine, c'est étalé sur la semaine. C'est pas encore à trois. On a fait des marchés, même si effectivement on a moins mis l'accent sur cette zone-là qu'autrefois, simplement pour des raisons pratiques, on savait qu'on était limité par le temps, on a préféré aller droit au but et donner directement à domicile le tract. C'est un choix stratégique, après on verra s'il est payant ou pas. Pour le deuxième tour, je crois que les Viennois ont compris que nous étions engagés dans cette campagne. Maintenant, ce qu'on veut surtout, c'est de la présence, au maximum en tout cas, parce qu'on ne pourra pas voir tout le monde, on en a conscience. Mais c'est du contact direct, c'est du local. Hein. On ne cherche pas spécialement à faire venir une personnalité. Je crois que ce n'est pas l'objectif. La caste est partie dans cette démarche parce qu'ils voient bien que leurs places sont en danger, tout simplement. Je n'ai pas de chiffres à donner. Moi, ce que j'espère surtout, c'est un record historique. Et je crois qu'on est bien parti pour. Je crois que ce n'est pas notre victoire. C'est celle des Viennois qui est en jeu, c'est celle des Français et c'est ce qu'il faut retenir.